fais partie de la team Apuchou pour le moment par intérim. C'est juste incroyable, mais vraiment. Est-ce que je craque encore une nouvelle fois ou pas? Finalement, j'ai refait infuser et voici du coup. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau diet vlog, la deuxième semaine de détox avec le Power Slim. Du coup, vous avez pu découvrir la semaine dernière, que ce soit lors du diet vlog mais également lors de la diet update, que j'ai perdu quand même et je suis super contente. Malheureusement les filles, le Power Slim il est en rupture de stock. Franchement, il a été victime de son succès, mais bonne nouvelle, j'ai ouvert les précommandes. Concernant les précommandes, c'est limité parce qu'on n'a pas envie d'être dépassé par ici, donc n'hésitez surtout pas, surtout qu'il y a la promotion qui se termine demain si Dieu veut. Donc n'hésitez surtout pas, surtout que le système de promotion sur le site a changé. N'hésitez pas à checker ma story Instagram où je vous explique tout. Donc voilà, foncez, surtout que ça part très 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 vite. Et au-delà en fait d'avoir perdu, je trouve que mon teint, les filles, ça n'a rien à voir. Pourtant, ce n'était pas le but, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, que ce soit sur moi, sur mes clientes et même des personnes en fait de ma famille, de mon entourage me disent: mais Aïka, qu'est-ce qui t'arrive? Ton teint, ça va beaucoup mieux, t'as le teint beaucoup moins terne, beaucoup plus d'éclat au niveau de ton visage et même au niveau de la peau de mon corps, sans que j'ai changé ma routine du teint actuellement, en sachant que je n'ai pas du tout de routine. Je ne vais pas vous mentir, donc je suis vraiment super contente, super satisfaite, et en plus au niveau de la perte de poids on est pas mal. Donc là du coup les filles, on s'en va de nouveau pour une nouvelle semaine de régime. Je suis juste super contente. Là je suis en train de faire, enfin j'essaie de faire bouillir de l'eau, mais le gaz s'est éteint. C'est quelque chose qui arrive souvent. Déjeuner, je vais me faire un petit bol comme d'habitude. Aujourd'hui je vais mettre des pruneaux, une petite grosse clémentine parce qu'elle est super grosse et c'est pas du tout une orange, c'est une clémentine. Moi je n'aime pas trop les oranges parce que les oranges en fait ça a tendance à salir les doigts, coller, etc. J'aime pas trop. Je vais prendre mes petits muesli que j'avais acheté, je les aime vraiment beaucoup. Rajouter quelques petits copeaux de chocolat avec un petit peu de yaourt comme d'habitude et on va être bon pour le matin. Vraiment rendre les choses beaucoup plus agréables. J'aime vraiment bien avoir de la belle vaisselle afin de me motiver. C'est un petit peu bizarre. Donc je vais prendre du coup un petit sachet de détox que je vais mettre juste ici. Toutes les informations seront en barre d'infos. Du coup les filles, je vais manger mon premier repas qui est un petit bol. Je vous conseille vraiment de vous faire des petits bols comme ça parce que c'est rapide, c'est facile. Tout le monde n'a pas forcément l'envie ou le temps de faire des pancakes ou des recettes hyper élaborées. Et là, concrètement, c'est, je pense à certains aliments qui pourraient bien s'allier au niveau des saveurs, au niveau de la couleur. Moi, je fonctionne également beaucoup au niveau de la couleur. J'aime bien manger des choses que j'aime regarder. Je mange déjà avec les yeux. Les filles, désolée. Ça livre le monde tellement ça me donne envie. Et après ça, un petit yaourt ou un petit fromage blanc. Moi, c'est du fromage blanc 0%. Et vous mettez tout ça et c'est parti en fait.
Il y a Mimi qui me regarde. C'est bon, tu peux pas encore goûter, mais bientôt, elle commence à avoir des dents. J'ai pratiquement fini mon premier repas, mais je voulais entamer du coup ma petite détox qui est juste ici. Alors attendez, je vais vous montrer comme ça, carrément. Hop là, avec le pied de Mimi, juste à côté. N'hésitez surtout pas du coup à commander, comme je vous ai dit, elle est super bonne. Et super efficace. Ne serait-ce qu'en une semaine, les filles, je vois vraiment du coup les résultats. Je vous ferai une vidéo spéciale ou même une vidéo routine où je vous explique tout. Je pense que je ferai une vidéo explicative, peut-être un petit tuto. Moi, j'aime bien tout centraliser sur YouTube pour éviter de m'éparpiller. Mais je pense que je dupliquerai ça sur Instagram. Mais je suis super contente. En une semaine, les filles, surtout que là, vous savez, pour moi, la perte de poids, le régime, c'est non seulement un rééquilibrage alimentaire, ok, c'est-à-dire qu'on change ses habitudes alimentaires, mais c'est aussi le sport. Et là, étant donné que je peux pas faire du sport à proprement parler, même marcher dans les hauteurs de ma commune, je préfère éviter en fait. Par contre, si je peux me permettre de continuer le petit blabla, je vais poser un stérilet et j'ai vraiment, 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 vraiment peur que ça ait des effets en fait sur ma perte de poids, sur ma prise de poids. Je vais me faire poser un stérilet en cuivre parce que du coup, Mimi, voilà, pour le moment, on va s'arrêter à Mimi. Je pense que Mimi, c'est la dernière, mais j'ai vraiment, vraiment peur. Je n'ai jamais pris de contraceptif comme ça. Le seul contraceptif que j'ai eu l'occasion de prendre, c'était la pilule. Quand j'étais adolescente, j'ai essayé un petit peu et après j'ai arrêté. Et puis un petit peu adulte. Et puis maintenant, après l'accouchement de Mimi, je suis toujours sous Optimisette. Du coup, qui marche pour le moment, mais je fais attention. Donc j'ai un petit peu peur de ce côté-là. J'ai fait également du shopping, les filles. Et je suis super contente parce que même si clairement j'ai pas le corps que je veux, mais vraiment vraiment, et avec le recul je me rends compte que l'être humain, on est vraiment insatisfait, dans le sens où quand je regarde mon corps d'avant, mais je me dis mais pourquoi aller plus loin, en fait j'étais pratiquement parfaite, il me manquait plus qu'à muscler en fait clairement et à sculpter tout ça. Du coup, désolée de la variation de lumière. Why aller plus loin? Why? Mais je voudrais plus ou moins ce corps-là, vraiment. Et que mes habits que j'ai achetés là actuellement, je vous les montrerai un petit peu plus tard, soit aujourd'hui ou soit un autre jour, du coup, mais que ça sera dans ce diet vlog-là, que ça m'aille un petit peu, vous voyez, comme si, pas que c'est ample, mais... Là, ça me va en mode curvy, ça me colle au corps. En plus, voilà, étant donné que j'ai arrêté un petit peu l'allaitement et même en faisant l'allaitement, j'ai de la poitrine, etc. Moi, j'ai pas envie que ça m'aille comme ça. J'aime vraiment... Je fais partie de la team Apuchou pour le moment, par intérim, même pas en CDD, mais par intérim. Mais moi, j'aime vraiment... bien le skinny curvy. Alors pourquoi curvy? Parce que de base j'ai un corps curvy, que je sois mince ou un peu plus en chair, et musclé mais sans que ça soit trop musclé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais de toute manière, je vous montrerai les habits que j'ai achetés. Et moi, mes habits, je les achète toujours dans la même boutique. C'est la boutique Bisous à Trinité. C'est vraiment la meilleure boutique au niveau rapport qualité-prix. C'est l'équivalent de Shein. Petite salade, du coup, protéinée avec des œufs. J'ai mis deux, jambon et du fromage. Et un petit dessert. De toute manière, je voulais tourner dans ce que je mange pour maigrir. Il fera office de snack, en fait. Parfait. Les filles, mon premier repas.
Il est 14h. Carrément. Alors qu'avant, je mangeais pendant la nuit, clairement. C'est vraiment juste incroyable. Je suis super contente. J'ai pris mon thé ce matin, ma tisane ce matin. Et depuis, je n'ai pas eu faim. Et là, je ne mens pas. Attendez. France, voilà. Il est 14h22. Et là, vous pouvez voir ma gourde qui est juste là. J'en ai bu ce matin. Donc du coup, les filles, comme je vous ai dit, tout est en train de se remettre en place. Jeûne intermittent pratiquement, quoi. Fromage blanc 0%. Avec mes myrtilles, pardon. Amandes. Pas beaucoup, bien sûr. Mais... Et je pense même pas que je vais finir. Et là, du coup, on a du pain aux céréales avec un petit peu d'avocat et de l'œuf. Oui, Mimi. Le problème du jeûne intermittent, des fois, j'avais déjà ce problème avant, c'est que certes, ça vous fait perdre du poids et tout. Cependant, en fait, des fois, quand vous n'avez pas mangé pendant 5-6 heures, tout d'un coup, votre organisme, il se réveille, il a faim, et on a tendance à manger vite. Fini comme les œufs et l'avocat. Le fromage blanc, je vais juste finir les fruits et l'amande qui reste. Et je vais garder le reste du fromage blanc pour manger avec d'autres fruits, en fait. Et moi, mes seins sont pleins de lait, étant donné que je fais une pause dans l'allaitement pour la cure. Du coup, les filles, c'est juste incroyable, mais vraiment. Je regarde le podcast d'Audrey en remplissant du coup mon petit planeur qui est juste ici, qui est un planeur spécial perte de poids. Je vous en parlerai dans un petit moment. Du coup là je suis en train de préparer le deuxième repas, qui sera mon dernier repas. Je mange que deux repas en ce moment parce que les filles, franchement, j'ai vraiment pas le temps. Donc là c'est du riz au curry, parce qu'étant donné que je mangeais avec mon chéri, normalement il adore le curry, donc j'ai fait du riz au curry avec du maïs. Donc j'ai mis la part des enfants, donc j'ai mis la part des enfants également ici aussi, avec de la mangue pour le dessert. Et j'ai mangé des steaks ainsi que de la tourte aux oignons. Donc ça fait beaucoup, mais j'ai mangé un tout petit peu chaque truc, étant donné que ça doit être une sorte de petit... À votre avis, est-ce que je craque encore une nouvelle fois ou pas? Je vous laisse voter en commentaire, oui ou non. Bon, voici mon assiette à moi. Du coup, j'ai quand même pris des pommes de terre, d'accord, avec du saumon, de la salade, de la tomate et un petit yaourt à l'ananas, assaisonné des bruits de peu Mimi qui est un petit peu fatiguée. Les filles, voici ce repas qui m'a l'air succulent. Pavé de saumon comme d'habitude, avec de la vinaigrette allégée, des pommes de terre, beaucoup d'oignons, ça ne se voit pas parce que c'est en dessous, tomates, salade avec petite
petit yaourt 0% pardon, à l'ananas. Et du coup, le Power Slim qui est juste ici. J'en ai déjà bu ce matin, du coup, dans ma tasse. J'aimerais vous dire que là, je l'ai fait beaucoup plus concentré. Et pour le faire beaucoup plus concentré, en fait, il faut tout simplement le laisser infuser beaucoup plus longtemps. En fait, et surtout quand, vous savez... l'eau elle est à ébullition, en fait le mettre avant d'éteindre le feu, peut-être une petite minute, deux minutes, et après vous laissez bien infuser, et là vous voyez il est bien concentré, et du coup là les effets sont décuplés, et c'est juste un sachet. Effectivement, si, comment vous dire, excusez-moi parce que j'ai un petit début de rhume là, parce que les enfants m'ont ramené ça. Si vous mettez un sachet, deux petites minutes ou quelques secondes, ça va être léché. Mais si, du coup, vous laissez infuser longtemps, et moi, c'est ce que je préconise pour une action beaucoup plus forte, notamment dans l'action coupe-faim. Pas forcément au niveau du transit, mais l'action coupe-faim et au niveau de l'aide, au niveau de réinitialisation des papilles, détox, effet bonne mine, et bien du coup, et ben c'est ce qu'il faut faire. Mais après, vous pouvez le prendre léger, ok, mais en prendre tout le long de la journée, c'est vraiment vous qui voyez. Meilleur combo, les filles, vraiment. Saumon, oignon, pommes de terre, c'est trop bon. Je commence à caler un petit peu quand même. Et j'ai pas encore pris du coup ma détox de ce midi. Tu vas beaucoup caler. Oui. Les filles, je cale. Je cale définitivement. J'ai plus faim du tout. En fait, je vais garder, je vais être de côté. Je vais manger pour plus tard, si Dieu veut. Parce que je ne suis pas du tout pour le gaspillage, par contre. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je prendrais peut-être une petite tape de la part de la maman si je faisais ça. Non, à mon âge. Les filles, j'avais envie de vous montrer un petit peu les statistiques grâce à mon application en fait qui compte mes pas, mes calories dépensées, etc. C'est Activity Tracker, si je me trompe pas, je l'ai depuis super longtemps, depuis ma première perte de poids du coup. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment une nette amélioration. Je suis pratiquement toujours dans le vert, je replie toujours mes objectifs, en tout cas les jours d'école. En termes de poids, en termes de calories perdues, vous savez que les enfants, ils ont changé d'école. Maintenant, ils sont dans une école, du coup, dans la ville principale de ma commune, parce que moi, j'habite dans une petite bourgade. En plus de ça, actuellement, je suis non véhiculée. Je serai de nouveau véhiculée quand j'aurai déménagé. J'attends de déménager, du coup. Et ça fait que je suis à pied. Et comment vous dire qu'on voit une nette différence, en fait. N'hésitez surtout pas à marcher parce que c'est ça qui va favoriser votre perte de poids. Si vous avez l'interdiction de faire du sport, la marche, c'est super bien. C'est super bien pour le cardio. C'est super bien pour la santé. C'est super bien pour la perte de poids. C'est super bien pour tout. C'est super bien également pour le moral. Et moi, clairement, ça m'a vraiment aidé. J'avais envie de vous montrer mes petites statistiques de la deuxième semaine de détox avec le Power Slim. Parce que c'est vrai, encore une fois, il ne faut pas compter que sur quelque chose que vous allez ajouter de manière mécanique. Bonne alimentation et activité sportive. Les filles, je vous retrouve. Je vais un peu mieux, voire beaucoup mieux. Je vois que de plus en plus, mon visage se creuse, pardon, et je commence à ressembler à une tomate cerise. Vous voyez le cou qui commence un peu plus à se creuser avec ma tête qui certes se creuse mais est un petit peu volumineuse. Mais c'est vrai que le body positive marche absolument pas sur moi. Fake it until you make it, mais ça va pas marcher avec moi dans ce corps, dans ce corps là. Donc du coup là, je suis en train de faire ma petite détox de ce matin. D'ailleurs, j'ai décidé en fait de laisser plus infuser, et j'ai eu la question parce que c'est vrai que moi je laissais pas beaucoup infuser parce que j'étais un petit peu dans l'empressement, mais c'est bien de laisser plus infuser afin d'avoir plus d'effet coupe-faim, l'effet bonne mine également. Je sais pas si vous remarquez les filles, après j'ai quelques impuretés effectivement. Joshua,
parce que en ce moment je prends pas soin vraiment de ma peau, mais pour tout ce qui est les bons effets du Power Slim, c'est-à-dire bonne mine, coupe fin, vous aider à maigrir, et ben c'est mieux de le laisser plus infuser. Donc là c'est ce que je vais faire. Du coup là ça commence à infuser. Alors attendez, c'est chaud, peut-être j'ai mis un peu trop d'eau également, peut-être. Ouais, j'ai mis un peu trop de minutes étant donné que je ne suis pas pressée. Là il est quand même presque midi, j'ai pas du tout mangé de la journée, donc et j'en ressentais pas du tout l'envie, en fait, pour être honnête et transparente avec vous. Par contre les filles, je vais diminuer mon apport en nourriture et je vais vous expliquer ça en faisant mon premier repas. Vous voyez les filles, j'avais acheté un bol pour m'aider, pas à maigrir, mais vous savez, avoir de la bonne vaisselle, de la belle vaisselle qui donne envie d'être utilisée, ça fait toujours plaisir. Cependant, le bol, il est beaucoup trop gros. Donc du coup, pour ce premier repas, je vais utiliser ce bol-là. Au péril de dépasser un petit peu, en fait, c'est pas très grave. Je vais me faire un petit bol avec... un yaourt, enfin du fromage blanc câlin, nature 0%, une banane, une petite mandarine, des raisins avec mes muesli habituels que j'ai acheté récemment. Donc je vous disais les filles que je vais réduire mes quantités parce que encore une fois je reste dans la nostalgie d'avant. Où j'étais très sportive et où justement il faut beaucoup plus de calories pour fonctionner. Cependant là on va pas se mentir, je suis assignée au fait de pas faire du sport, mais les filles je vais reprendre, ne serait-ce que de la marche, de la corde à sauter, je vais reprendre parce que là je ressens une envie dévorante de le faire. Donc je vais le faire, mais le souci c'est que étant donné que je suis restée sur des portions d'une personne qui faisait beaucoup de sport, ça me fait défaut. Certes là j'ai maigri, mais c'est grâce notamment à ma cure. Ok, une cure, ça a vocation de rester une cure, qu'elle soit une cure ponctuelle, d'accord, mais une cure également semi-mensuelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec le Power Slim, on a choisi de le faire que sur 14 jours. Dans le sens où vous allez l'utiliser pour une cure mensuelle, après un cheat meal ou après une période de fête. On sait tous que c'est la catastrophe pour tout le monde, notamment quand on est entouré de notre famille. Mais également en tant que cure semi-mensuel, c'est-à-dire que chaque mois vous allez commencer, mais également en tant que cure semi-mensuel, que ça soit en début de mois ou en fin de mois, c'est-à-dire que les 14 premiers jours du mois ou les 14 derniers jours du mois, vous allez utiliser le Power Slim, mais il n'est pas à utiliser tout le mois, parce que vous savez, que ça soit dans la perte de poids ou autre chose, les choses qui vous aident à atteindre votre objectif, en fait, ne va pas remplacer les efforts organiques que vous devez fournir. Et là, dans le cas présent, c'est modifier l'alimentation. Donc du coup, le Power Slim m'a aidé à couper ma faim, également à perdre mes kilos, à m'adapter au niveau de la réinitialisation des papilles. Je vais pas mentir, chose que j'avais fait toute seule auparavant, mais là ma vie, les filles avec les enfants, le travail, le déménagement, à prévoir, à organiser, à chercher la maison, c'est assez compliqué. Vous voyez, on est déjà plein. Surtout, je vais pas mentir, avec un enfant en plus et le fait d'avoir déjà fait, j'ai déjà perdu du poids, donc ça me démoralise un petit peu de tout, pas tout recommencer quand même, parce que je suis pas à 120 kg et j'ai pas recommencé à 120 kg ni à 100 kg d'ailleurs, mais j'ai moins de motivation. Cependant, il y aura un effort à fournir. Je vous ferai une vidéo concernant le Power Slim en détail dès que j'aurai fini cette semaine et dès que, en fait, je ferai le bilan. Je vous ferai une vidéo spéciale Power Slim quand même. C'est vrai que là, vous voyez, il n'y a plus assez de place pour des muesli et c'est très très bien. Donc on va mettre juste une petite touche. Il n'y a pas besoin de grand chose non plus. Je vais rajouter un tout petit peu après. Quand j'aurai fini les... Même pas. Okay. La petite touche, c'est bon. Les céréales, si Dieu a décidé qu'il n'y aurait pas beaucoup de céréales aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, je vous disais que je vous ferai une vidéo concernant le Power Slim. Mais
clairement, ça m'a aidé. Mais il faut l'utiliser soit de manière ponctuelle, si vous savez que vous avez un cheat meal, un mariage ou autre, ou un mariage, un anniversaire, une manifestation familiale, une fête, ou même des sorties en boîte, donc de manière ponctuelle en 14 jours, mais également de manière semi-mensuelle, c'est-à-dire début de mois ou fin de mois, pour les personnes qui ont moins de motivation et qui ont besoin d'un accompagnement, en fait. Mais ça, ça sera l'objet d'une vidéo. J'ai fini mon petit déjeuner. Est-ce que ma détox a bien infusé? Eh bien oui. J'ai mis dans ma tasse finalement et j'ai refait infuser et voici du coup le résultat. Donc je vais boire et du coup vous pouvez le boire froid comme vous pouvez le boire chaud. Moi étant donné que j'habite en Martinique, je le bois tiède, chaud. J'ai vraiment du mal, même vous savez, tout ce qui va être chocolat chaud, je bois ça un petit peu tiède. Je suis un petit peu spéciale, je sais. Et je n'ai pas eu, pour les personnes qui me posent la question, là j'ai fini, d'épisode de constipation ou quoi que ce soit. Non, ça donne pas des trucs bizarres comme ça. Donc du coup, il y a le reste qui est ici. Et j'ai relaissé infuser la petite dosette, en sachant que vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par jour pour les personnes qui mettraient la bonne quantité d'entrée. Parce que là, du coup, c'est pas la bonne quantité, c'est 1 litre. Pour le midi, ça sera ça. Du coup, du boulgour, riz, quinoa, à la tomate et aux épices. Et je vais faire pour tout le monde, du coup. Il y aura assez, normalement c'est pour 3-4 personnes, 3-4 personnes adultes, en sachant que là je suis avec les enfants, donc maman, Joshua, Ariel. La notice disait qu'il fallait faire comme ça, je n'ai pas rajouté d'huile, de toute manière j'ai plus d'huile ou très très peu pour le coup. Ok, que je vais utiliser pour faire autre chose. Donc voilà. Donc le goût, il est assez surprenant, les filles. Mais je suis contente parce que j'ai rien rajouté. J'ai juste pris une petite saucisse. Je vais pas rajouter de sauce, pas de mayonnaise, rien du tout. Mes enfants ont voulu un petit peu de mayonnaise et je leur ai dit de prendre. Mais c'est assez surprenant, mais ça va. C'est bon pour la réinitialisation des papilles, en tout cas. Même si je sens quand même une pointe de sel. En sachant que je n'ai pas mélangé la saucisse avec le plat. Parce qu'on sait très bien que la saucisse, ça lâche un petit peu de sel. Mais c'est quand même salé, je ne vais pas mentir. Donc, ça veut dire que c'est un bon signe. Que ma détox fonctionne bien, étant donné que si j'étais encore vraiment à fond déréglée, je n'aurais pas senti le surplus de sel. On se retrouve pour la fin du diet vlog et la fin de cette détox, les filles. Je suis à 100% satisfaite de mon produit, du coup ventre qui s'est bien aplati, transit au top, coupe fin, et ça m'a aidé dans le processus de la réinitialisation des papilles, et le résultat est là. Moi je le vois, je le sens, et à la balance ça s'est fait sentir. Du coup je vous montre les petites images. Donc, voici mon poids à la fin de la cure du Power Slim. Donc les filles, n'hésitez surtout pas, là il est en précommande actuellement parce qu'on était en rupture, donc n'hésitez vraiment pas. Donc, j'étais vraiment satisfaite de cette cure, surtout que j'ai un manque de confiance en moi au moment où j'avais tourné la vidéo, et même actuellement, parce que je n'assume pas mon obésité.
c'est très compliqué pour moi. Je vous ferai une vidéo concernant le Power Steam, les avantages, les inconvénients, les personnes qui peuvent le prendre ou pas et attendre des résultats. Il y a très peu de personnes avec qui ça ne va pas marcher, mais des fois quand on passe certaines périodes, en fait, vaut mieux attendre d'avoir réglé le souci ou arrêter la chose que vous faites pour le prendre. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain pour la diète.